Donc, bonjour tout le monde, ici c'est Wagraf et aujourd'hui à Bouffer en cave, on va se payer un peu de pizza. Ben oui, je suis passé au dépanneur aujourd'hui et j'ai vu ça dans les produits prêts à manger. C'est un produit québécois en plus, les produits Kiranos ou Kiranos. Pizza toute garnie. Donc, je vous montre la boîte ici. La petite boîte avec le petit indicateur et c'est hey, c'est fait au Québec, c'est merveilleux. Une minute au micro-ondes pour faire la chauffer. Moi, j'ai fait chauffer 1 minute et 5 secondes. Ah, je suis tellement pas standard. Et avec ça, comment? Ils disent idéal pour le lunch. Puis c'est quand même une bonne tranche. Là. Si on check dans la grosseur de ma main, c'est quand même une bonne grosseur de la main. Hein. C'est quand même une bonne pointe. Tu sais, pas. Fait que. Faites chauffer ça pour une toute garnie. Fait pitié un peu le toute garni, hein, parce qu'il y a du verre dessus, puis c'est pas mal tout. Je m'attendais au moins, tu sais, il monte sur la boîte des champignons, puis oui, ok, du pepperoni, tout ça, c'est normal, mais tu sais, je peux dire, hey, sur ta pizza au fromage et pepperoni, ben, on t'a rajouté un peu de verre dessus parce qu'on l'a échappé de côté, tu sais. Fait que ça fait dur un peu. Mais j'avais un petit coup de pizza, puis tant qu'à acheter une pizza au complet, ça revenait à. Après, pas dessus, je pense, c'était comme pas très cher. Je me souviens pas, moi j'ai pas la facture. Fait que, quand même, une belle pointe de pizza. Pas très épaisse. Mais quand même assez volumineuse sur la longueur. Donc, on va essayer ça. Pizza Crianos. Il a pas eu un petit bout de frette au début, mais non, pas mauvais goût, hein. En fait, elle est bonne, mais elle est vraiment bonne. Ouais, elle est vraiment bonne. Un bon coup de pizza. Bah, j'aurais du fun à manger ça, mais ah, fait que je suis surpris pareil. Tu sais, il y a pas vraiment beaucoup de sauce dedans, tu sais, pizza. Du prêt à manger, tu sais, faut pas s'attendre à des miracles. Sauf peut-être avec les pâtes que j'ai payées une autre fois, là, celui qui est en un petit paquet genre vertical, là. Je sais plus du nom non plus. Faut là, j'ai sorti éventuellement. Qui était quand même assez bonne, c'était des pâtes comme préparées au restaurant, mais pour une pizza prête à manger, une pointe de pizza prête à manger, c'est très très bon. Fait que, vaut la peine de le checker ça. Ça va, je me souviens, mais c'était pas vraiment cher, c'était comme 1,5 pièce ou 2 pièces, quelque chose de même. Fait que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, tant mieux. Laissez-moi un j'aime, c'est toujours apprécié. Par la suite, si vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard, puis que vous aimez le type de contenu que je mets en ligne, autant des vidéos de bouffe en cave que mes vidéos de gaming et tout ça, ben abonnez-vous, ça va être tenu au courant. Et dernièrement, bien sûr, si vous avez des commentaires autant à propos du produit que j'ai présenté, de la chaîne ou du vidéo, ben laissez-les dans la section en dessous du vidéo. Moi, je lis tous mes commentaires, puis je réponds quand c'est nécessaire. Fait qu'avec tout ça, c'était Wagraf. Et je vous dis à la prochaine.